Bon, mais aujourd'hui, pic du Col Tayat, ça monte. On devrait avoir une vue très belle des Pyrénées. C'est un peu dégagé aujourd'hui. À tout à l'heure. C'est chaud et ça monte. Allez, on attaque le passage dans la boue. Ça glisse et c'est dégueulasse. On rapproche du col, le paysage change, ça s'éclaircit, c'est moins sombre. Arrivé au col de Gamelle, on a 1500 mètres d'altitude, il en reste encore un peu à faire, beaucoup en fait. Voilà, 1390 d'altitude. Le paysage se dévoile, c'est sympa. Bon, faut sortir de la forêt, c'est chaud. Allez. On commence à avoir des paysages sympas. Allez, on continue. Voilà, première vue de Siguère. Plongeante, c'est là d'où on vient. Faut y retourner. Allez, on continue, putain, ça monte, d'accord. On commence à arriver sur les hauteurs, sur les crêtes. Plein de mon camp, et au fond là-bas, la bosse sans neige. C'est le pic du Col Tayat. On va bien voir les deux prochaines difficultés, dont la dernière. La première, avec cette neige sur le côté, et après derrière, on va redescendre sur le col du Sasque, et après monter au pic du Col Tayat. On aura fait 1500 mètres de dénivelé positif, ce qui sera déjà suffisant. Un petit panorama. Là-bas, puis du Col Tayat. Ouais.
mal, c'est qu'il faut descendre pour remonter, mais bon, ça se termine. Allez, c'est parti. Voilà, en fait, c'est juste très joli.